Dites-moi, Gainsbourg. Oui, mon petit gars. Depuis que je vous ai vu ce matin dans mon bureau, vous avez une trouille noire de ce qui vous attend ce soir. Si j'avais pas la pétoche, je serais vraiment un con. Hein. Je sais bien que les locs, c'est bourré. Moi pas, hein, parce que je suis professionnel. Attention, il y a je dois dire que pour les petits gamins qui ne le sauraient pas, que je prolonge d'une semaine. Hein, parce qu'il y a des petits gamins qui sont partis malheureux parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, location ouverte pour la cinquième semaine. Bon, et alors le disque là, parce que tu as l'air absolument de vouloir le montrer, c'est le résultat. C'est le résultat de ce qu'on a vu aux États-Unis là. Bien sûr. Hein? Alors montre-le, puisque tu m'as dit que tu allais le montrer face à la caméra dans ton zoom de contre... Zoom, zoom, Coco, zoom, 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 zoom sur Charlotte, zoom, 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 zoom. Comme elle est belle, ma petite gamine. Elle sera sur scène? Elle va au lycée, hein? Bon. Mais elle sera là ce soir. Pourquoi la trouille? Parce que le bras de fer, il est pas... Ou le bras d'honneur, il n'est pas toujours vrai? Attends, d'abord, tu vas te donner... Bras d'honneur, bien sûr, je peux te le faire, bras d'honneur. Non, d'abord, je vais te dire, il y a deux enfoirés. Hein? Bon, j'ai un programme, mais je parle du programme... Allez, hein. Il y a deux enfoirés. Je vais leur faire la fête, là. Leur tête. La tête au carré. Tout le monde sait que j'ai fait un néologisme qui s'appelle le 102, hein, c'est-à-dire double 51. C'est-à-dire, théoriquement, et peut-être réellement, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de Pernod. Parce que maintenant, tous les Lascars, ce néologisme est passé dans le langage français, comme certaines de mes phrases. Alors, une page de pub dans mon programme. 15 000 balles, c'est quoi? Un bâton 5. Pour Pernod, qu'est-ce que c'est? Ils ont refusé. Et tu sais qui a refusé encore? Tiens, tu peux zoomer avant. Hein? Zoom avant, mon coco. Zoom avant. Voilà. Voilà. La Seita m'a refusé une page dans mon programme. C'est quoi? Bafan culo. Non, mais ils estiment qu'il a... Bafan culo. Je dirais maintenant que les gitanes, c'est de la merde. Voilà. Enfin, je continue. Ça t'empêchera pas d'en fumer. Voilà. Bon. Je voulais le dire, c'est dit. Voilà. Vraiment, ce que je disais en début de journal, là, que je lisais hier dans Libé, là, c'est ma dernière tournée. Dans 3 ans, j'ai 60 balais, je veux que ça soit super. C'est vrai? Ou c'est aujourd'hui, quoi? Oh, je fais pas, c'est pas les adieux musicaux, c'est simplement que le compte à rebours est commencé, je peux avoir le coup de la fin. Je peux aussi me flinguer, hein, sur un jour de déprime. Ouais. Bah, y a pas intérêt, tu viendras nous voir ce jour-là, Marie-Laure et moi, et puis... Ouais, parce que Marie-Laure, elle est mignonne. Hein. Oui, elle est très mignonne, mais pourquoi crois-tu qu'elle est là depuis si longtemps? Au revoir et bonne nuit.